En bleu, et le Stella Bergerac aujourd'hui sera en rouge. Les compositions des équipes pour le Stella Bergerac, donc qui jouera en rouge, Tirchi, Souayel, Benatour, Reda, Isla, Imadi, Yassine, Angeli, Tom, Lamotte, Freddy, Akmoun, Yassir, Alem, Abzabed, Gérardi, Bilal, El Falaki, Yassine et Longo, Célia. Pour le FC Sarlat-Marcillac, Risso, Clément, Flaquière, Robin, Delpera, Noah, Aïna, Loïc, Perea, Valentin, Sotelo, Mathias, Céleste, Maël, Deler, Gabet, Texera, Alves, Alex et le haut Thomas. La rencontre sera arbitrée. Par Renaud, Ibora, Luc, Benta et Flo Collinet. La rencontre aura une durée de 2 x 10. En cas d'égalité, 3 tirs au but. Attention, les joueurs sont prêts, les arbitres assistants sont prêts. Finale du tournoi, Pierre Brun, 29e année, c'est parti! Die, die, die.
de la buvette, n'hésitez pas à demander les crêpes et les gâteaux confectionnés par les papas et les mamans des joueurs. Elles sont, paraît-il, excellentes. Thank you.
Attention, monsieur l'arbitre, c'est la mi-temps. Non, mais là, il y a un bon sens. J'ai un service pour envoyer à la télévision.
Attention, monsieur l'arbitre. Nous avons deux premiers à l'époque. Loïc Azina avec 59 jambes et Tyrone Suzanne. Venez chercher vos récompenses. Tyrone. Donc vous serez là et vous serez chagné. Il le fait exprès de se mettre devant. Joël, oui. Joël. Joël. Notre fille, Carla Kostne, Bastière. Voilà. Rends hommage aussi à notre deuxième fille, Tatiana. Alors je vais demander, pour ne pas faire une photo un peu particulière, je vais demander à tous les gardiens de venir se rassembler devant nous. On va rendre compte à tous les gardiens. Voilà, on va rendre hommage aux buteurs, on va rendre hommage aux gardiens. Il y a des mutes, on peut faire le... C'est pas pour voilà. Eh les garçons, regardez. Allez. Donc voilà, maintenant on va dans la photo de l'ensemble des gardiens. C'est pareil, tous les ans c'est pareil. Oui. Il y a toujours quelqu'un d'autre qui me fait chier. C'est pas jouer le photographe avant de lancer. Je vois pas pourquoi Dieu fait les photos. Elle fait toutes les photos du de tout le tournoi. Donc vous allez sur le site ou sur le sur Facebook pour le temps mieux. D'accord. Et l'année dernière c'était une maman pareil qui me faisait chier. Dis-moi qu'on a enlevé le son là-dessus. Non. C'est alors que j'ai le moyen d'enlever. On va manger un coup de Christian. Donc, 7e, 13e alors, du tournoi argent, le coq 2. Allez, le petit coq 2, c'est fini. Allez, les garçons, allez. Les gars au sport, tu remets, c'est une récompense. David, fais les photos. En sixième position, nous sommes en argent. Ça sera pour l'équipe de Villamblard. Mon voisin de Villamblard. Non, c'est moi. Entraîné par une fille de l'ancien dirigeant, créateur du club de coups de Chaminet, M. Saint-Jean. En cinquième position, nous avons la meilleure de Sarla Périgord Noir. Allez Sarla, allez.
Philippe. On est combien? Alors, on passe maintenant au tournoi or. Le premier de ce tournoi, Pierre Brun. Notre équipe collège de la Pampe. C'est Notre-Dame Coursac. Facebook, CCOCC. Voilà, vous allez sur Facebook, sur CCOCC. Vous prenez votre ami avec eux. Non, non. Ah bon? Si vous avez un compte Facebook, vous pouvez aller voir. Ah bon, d'accord, merci. Sinon, vous avez le site du coq. Sur Footéo. Merci, je vais essayer. Merci. Avant de passer à trois premières positions, je demande à Patrick de nous donner un petit...
Alors je mise fort. Mais bon, les garçons. Merci, bonjour à toutes et à tous. Et bien, au nom de la municipalité de Fournier-Charrière, du maire Jean-Pierre Bossari, mes collègues au conseil municipal et également participants à la commission sport et voilà. Nous sommes heureux de vous accueillir, même si le temps nous a fait un petit clin d'œil. C'est traditionnel tournoi de Sixt, je crois que vous faites deux en un cette année. C'est Patrick. À tous les bénévoles, tous les présidents de clubs présents du département et au-delà. Et une félicitation pour donc le podium de l'émission 2014 de ce tournoi perdra en troisième position nos camarades de Bruges. Bruges à partir de la banlieue d'Argelès, nous serons sur le terrain le 14 juin prochain. Le ballon est rendu. Voilà, qui organise un super tournoi en salle en mois de décembre. Oh les garçons, mettez-vous comme il faut les garçons. Maki, tu me saoules à prendre les coups. Allez. Sur la deuxième marche du podium, nous allons voir la deuxième marche. Vivi! Et alors, pour la photo. Et pour la deuxième année consécutive, ils vont pouvoir encore casser le trophée. Puisqu'ils nous ont amené un trophée tout neuf. Vous le portez bien cette fois-ci. Hein. Dans le vainqueur de ce tournoi, or, viendra l'équipe de Sauveur. Les photos. Voilà pour la photo des vainqueurs. Je tiens à vous remercier au nom de l'ensemble des dirigeants du club de Chanier d'avoir participé à ce tournoi. En espérant vous revoir la prochaine avec le soleil cette fois-ci. Et si vous voulez regarder un petit peu le tournoi du 13, vous pouvez rester avec nous. Nous avons la participation. Tu les as eu? Tu les as eu ou pas? Le 13.